La feinte entre les deux jambes, paire pied en voulant compléter sa feinte. Ça sera lui-même qui reprend beau travail venant de Vladislav Kokolotti. Le but! Diot passe jusqu'à Grolo. Grolo poursuivi par deux joueurs. Et c'est Morin qui lui enlève le disque en revirement. Et c'est une chance pour Durandeau devant. Et c'est... On dit que c'est un but finalement. Oh, confusion devant le filet. Parce qu'apparemment, il y a un contact entre Baron et Lavigne. Et ça a permis le maintien de l'attaque du côté des Mousseds. Passe devant et ça amène un but. Oh, Xavier Parent qui profite justement de ce contact à la ligne bleue. À la ligne bleue, beaucoup d'espace en zone des Mousseds. Niazev à Oud à la ligne bleue, permutation entre les deux joueurs. À Kolkov en fond de territoire. Niazev, un tir et le but! Artemi Niazev qui profite de ce double avantage numérique pour créer l'égalité dans ce match. Alors, beau jeu de Xavier Parent, les deux défenseurs qui s'amenaient, Pellerin et Villeneuve, pour soutenir l'attaque. Ducharme à l'autre bout. Ducharme, un tir et le but! Quel tir de Justin Ducharme! Morin auront la mise en jeu à la droite de Boutillier. Haute de retour dans 5 secondes. Chenet retire sa passe et tout de même jusqu'à Morin. À Chenet, un tir, un arrêt de Boutillier. Le retour et c'est le but. Au même moment que Samuel Haud se revenait sur la patinoire. Un arrêt pas commode, un arrêt difficile venant de Boutillier. Le long retour qui permet la montée à 2 contre 1. Haud avec Grolo, la belle fête. Un tir et le but! Wow! Samuel Haud! Sa zone en zone ennemie maintenant, Jake Rising, le défenseur qui appuie l'attaque ralentie par Jérémy Diot. Beau travail du défenseur. Et c'est un moins beau, c'est un but finalement. Oh boy, le revirement qui fait extrêmement mal. Oud, donc présent, en fait, c'est Sutton qui est présent. Sutton rate son tir, la feinte, mais une feinte malgré lui. Et Sutton qui est en mesure de reprendre, perd le disque devant le 3, le trio des Moussets. Un tir, et c'est le but. Ouh, quel tir de Antoine Morin. Et ça vient sceller l'issue du match.